بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ورد الله للميزيكوردييه للميزيكوردييه déclaration de l'Union musulmane du Togo suite à la profanation des exemplaires du Saint-Coran et des mosquées à Lomé. Nous cherchons refuge et protection auprès d'Allah, le protecteur suprême contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le miséricordieux des miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, le clément et le sage. Paix et bénédiction d'Allah sur le noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des messagers. Depuis quelques jours, notamment dans les nuits du 27-31 juillet et 3 août 2018, des individus mal intentionnés perpétuent une série d'actes de sabotage et de provocation qui s'apparente à des crimes de lèse-majesté à l'endroit de la communauté musulmane tout entière. En effet, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2018, les fidèles de la mosquée 6 à Agoy Assiyeye ont trouvé les copies du Saint-Coran de leur mosquée déchirées, chiffonnées, puis accrochées aux grilles de la clôture. Les auteurs de ces profanations des lieux sacrés ont poursuivi leurs actes. Ils ont poursuivi leurs actes sans état d'âme dans deux mosquées dans le quartier abritant le Tanfir, ceci dans la nuit du 31 juillet et du 3 août 2018. Ces mosquées ont été incendiées. Les exemplaires du Coran détruits et les biens matériels saccagés. Ces hommes sans foi déclarent la guerre à l'islam et à Allah le Tout-Puissant. L'UMT, c'est-à-dire l'Union musulmane, dénonce et condamne avec force tous ces actes de vandalisme et attire l'attention de la communauté nationale et internationale que celui qui a révélé le Saint-Coran en est son gardien et les mosquées ses maisons. Les auteurs de ces actes de vandalisme qui cherchent tous azimuts à mettre en péril le vivre ensemble religieux et l'entente interreligion au Togo ne verront pas leur objectif atteint et les musulmans vivront en parfaite harmonie, comme toujours avec toutes les obédiences religieuses. Quoi qu'il en soit, ces actes sont inacceptables dans notre République laïque et bien plus car la liberté religieuse est garantie par la Constitution togolaise en son article 25. Dans le cas d'espèce, la profanation des écritures saintes et la destruction des matériels de célébration de la prière dans les mosquées participent sans doute à entraver la liberté de culte des fidèles des mosquées vandalisées. La répétition de tels actes met à rude épreuve la communauté musulmane. Dans ce contexte, l'UMT invite la communauté musulmane du Togo à ne pas céder aux provocations de ces bandes, à redoubler de vigilance dans la sécurisation des lieux de culte et continuer à préserver des valeurs de tolérance et du vivre ensemble. C'est bon, continue.
et du vivre ensemble, lesquels caractérisent la foi musulmane. Aussi, elle appelle tous les citoyens à dénoncer auprès des autorités compétentes les auteurs de ces actes de vandalisme. À l'endroit des autorités gouvernementales, l'UMT salue la réaction du gouvernement et les efforts déployés dans la recherche des auteurs de ces actes ignobles. Elle l'encourage à accélérer la procédure d'enquête afin de situer l'opinion avec la ferme conviction de mettre fin à ces actes de délinquance dont le dérapage serait préjudiciable à la paix sociale et la quiétude religieuse. En outre, elle demande aux autorités de redoubler d'efforts pour la sécurisation des lieux de culte dans notre pays. Nous ne saurions terminer sans dire toute notre gratitude à l'endroit des frères et sœurs des autres religions qui nous ont soutenus dans cette période douloureuse par leurs messages et appels. Enfin, nous demandons à tous les musulmans et à tous ceux qui pensent que la pérennisation de la paix passe par le respect de chaque religion de prier pour notre pays. Nous vous remercions. Fête à Lomé le 7 août 2018. Pour le bureau de l'Union musulmane du Togo, le président, Monsieur Inoussa Bouraïma. Attaque-bille. Autorité religieuse, membre de l'Union musulmane du Togo, confrère et journaliste de la presse. Bonjour, Madame Béré, dessous du Bourgale Nord. De la sensibiliser à l'ONU dans ce site. Le Jean Lomela, qui est un ami frère de son intérieur, pour le jour-là, je vous dis que les éminents, pour que les humanitaires signifient 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 que les humanitaires Mais je la modifier, mais guerre de bataille. D'abord, la guerre, mais avant, il y a une petite maman, mais après, on va faire un peu de temps.